Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul AliExpress. Donc je vais vous montrer mes articles que j'ai achetés. Donc il y a des bijoux, des produits pour le nail art. Et puis voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Et je suis désolée par avance pour le bruit du focus, mais il n'y a que comme ça que j'arrive à faire. Parce que sinon, si je tire le bruit, le problème c'est que vous allez rien voir, ça va être flouté. Donc je viens recommencer ma vidéo exprès pour ça. Donc voilà, c'est pour ça, désolée. Donc voilà ma première paire de boucles d'oreilles. Voilà, ma deuxième, celle-ci, ensuite vous avez celle-ci, et ensuite, alors il y a celles-ci qui sont magnifiques je trouve, bon par contre je les ai reçues un peu cassées sur le petit bout là, bon c'est pas méchant. Voilà, ensuite vous allez avoir celle-ci. Voilà, donc il y avait en vert et en blanche et en noir, donc j'ai pris les noirs. Ensuite il y a celle-ci. Voilà. Je ne vous les ai pas montrées. Après, celle-là. Oh là, elles sont belles là. Voilà. Et après, celles-ci sont magnifiques. Voilà. Toujours sur le même vendeur. Après, le headband. Le handband, je sais pas comment on dit. Voilà. Après, des lots de bagues. Donc comme ceci et comme ça, des bagues de phalange. Ensuite les colliers, donc ça va être un sautoir, donc en or antique comme ils appellent ça. Allez, voilà. Après celui-ci. J'aime bien. Et celui-ci. Bon, par contre, je suis un peu déçue de la chaîne parce que vous savez, c'est. Bah voilà, vous allez voir, c'est avec les petites boules là, la chaîne qui se relie entre elles. Et à la base, sur la photo, c'était pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc, oui, sur ce vendeur là, c'est tout ce que j'ai commandé, mais à la base, je devais avoir une bague que je n'ai pas reçue. Et je sais pas, le vendeur m'a envoyé la même paire que. Vous voyez, il m'a envoyé la même paire, donc je sais pas si c'est pour compenser avec pour la bague. Je sais pas, donc voilà. Donc ce vendeur, bah, je vous conseille. Les articles sont très bien. Je vous mettrai les prix, je pense, là ou là. Et puis voilà. Donc c'est de très bonne qualité, hein, je vous conseille. Ensuite, on va parler de Nail Art. Donc, des... C'est par orteil ou doigt en silicone. Voilà. Après... Des bâtons de bois pour le art. Voilà. Ensuite, bah, une petite boîte comme ceci qui s'ouvre comme ça. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Ensuite, une palette pour faire les mélanges. Des crayons pour les. Comment ça s'appelle ? Les strass, voilà. Ensuite, un rouleau pour le chablon que j'ai mis dans les 4 euros et quelques, il me semble. Voilà. Et ensuite, un petit blender qui est tout petit. Je m'y attendais pas du tout, mais il est vraiment petit, vous voyez. Oh la vache. Voilà. Ensuite, bah, je vous mets tout de suite. Les boucles d'oreilles en photo que vous voyez bien, ça se trouve, vous les avez pas vu bien en caméra. Voilà. Voilà. Ah. Ensuite, j'ai eu un nuancier pour le nail art.
pour tout ce qui est gel. Donc c'est à vous de le monter. Voilà. Ensuite, des stickers. Donc vous avez genre en peau de python là. Oh, t'en bats pas. Voilà. Avec des feuilles d'automne. Et avec imitation peau de zèbre. Voilà. Ensuite, j'ai commandé des lots. Oui, c'est à l'unité. Qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc foncez les filles si vous faites du stamping. Donc voilà, c'est des disques comme ça. Je vous recommande ce vendeur. Hein, parce que franchement, là, top. Et j'ai tout cela que j'ai pris à l'unité. Là, bon. Tout ça. Donc je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai au moins une vingtaine. Quoi. Donc ça vaut le coup. Ils étaient à 30 centimes pièce, il me semble. Donc voilà. Et ensuite, le tampon pour le stamping. Voilà. Et pour finir, donc c'était rapide. Donc de toute façon, je reçois, dès que je reçois les autres articles, mes 14 autres articles, je vous referai une vidéo dessus parce que là, ça allait être trop long si je vous présentais tout d'un coup. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, les encres à lèvres. Donc je vous ferai un swatch. Voilà. Alors, par contre, il marque super bien la peau. Moi, quand je faisais des swatchs, oh la vache, tampon vert carrément parce que ça part fort. Donc, imaginez sur vos lèvres, ça tient bien. Et donc, voilà, j'en suis vraiment contente. Donc, je suis contente de mes achats et bon, il n'y a eu aucune casse à part bon, une bague que j'ai pas reçue, mais bon, c'est pas bien grave, vu pour le prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et voilà, je vous dis à bientôt les filles, bye!